Kwiatkowski hein, qui fait le tempo et attaque de Warren Barguil. On en avait parlé de l'anticipation de Warren Barguil, c'est peut-être son jour, il se prend. Ah, sprint, c'est pas mal, ouais, par rapport à Tapuma. Exactement, et bon, ah, ça y est, c'est dur pour allez, un Warren, Tapuma. On accélère. Un kilomètre de l'arrivée, Warren, il faut tout donner maintenant pour aller chercher une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Ouais, il faut qu'il en garde un tout petit peu quand même. Hein. Allez, 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 bonhomme. Allez, c'est allez, fait. Allez. La résurrection de Warren Barguil, il s'impose au sommet de l'Izoard. Bravo. Eh bien, a priori, le club blanc doit être le plus frais. Le club blanc qui accélère maintenant pour ne pas provoquer le regroupement. Giroto dans sa roue. Giroto est-il en train de faire un coup de bluff au Français? Le Français qui accélère à nouveau. Le club blanc qui accélère. Va-t-il laisser sur place Giroto? Non, Giroto s'accroche. Le blanc va commencer à douter si Giroto s'accroche. Giroto aspergé par un de ses supporters. Le blanc accélère. Giroto est tenté. Le blanc est en train d'accélérer. Un Français est-il en train de devenir champion du monde? Accélération de Luc Leblanc. Formidable course d'équipe des Français. Dire un Français est champion du monde. C'est un moment historique que nous vivons ici. Luc Leblanc va franchir la ligne. Il se signe bien sûr. Le très pieux Luc Leblanc au pays de Gino Bartali. Luc Leblanc, le Français, est champion du monde. Et on va s'intéresser maintenant. Bravo Luc. Luc Leblanc champion. On va s'intéresser à la deuxième place pour voir sans doute un autre Français sur le podium avec Richard Viroc à la lutte avec Capucci. Richard Viroc, troisième. Deuxième Capucci, troisième Viroc. Deux Français sur le podium. De sortir. Voilà. Attention, Arroyo qui attaque. Arroyo à gauche est parti. Cyril Decelle l'a vu. Mais ça va être juste. Ça va être juste. Allez, Cyril, il faut s'accrocher. Cyril Decelle qui bagarre. Arroyo s'est retourné une fois trop tôt, peut-être. Allez, Cyril. Il faut passer avant. Allez, Cyril Decelle, faut l'accrocher parce qu'il y a un virage. Voilà, voilà, maintenant. Bien joué, bien joué. Oui, Cyril Decelle qui est parti. Peut-être pour une victoire d'étape. La deuxième victoire d'étape française. Pourquoi pas. Allez, Sandy Cazar aussi. Les coureurs français vont faire la ligne. C'est bon, c'est bon. Oui, voilà, Cyril Decelle est parti. C'est fini. Pour sa première victoire d'étape sur le Tour de France, c'est fait. Allez, Cyril Decelle qui va réussir un exploit, le virage à droite, voilà, c'est fait. Allez, Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé, Julien Alaphilippe qui répond présent. Allez, tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque. Ouais. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français, ça va tenir. C'est en solitaire que Julien Alaphilippe va mettre en terme à 23 ans de dizaine tricolore. L'équipe de France va devenir, grâce à Julien, champion du monde. Rentre ici, mon Julien. Rentre ici. Champion du monde, Julien Alaphilippe. Ah, c'est beau. Bravo, bravo, Julien. Bravo à l'équipe de France. Wow. On a enfin ce titre. Léo Brun. Léo Vogtmann en première position. Udo Bottas en troisième position. Léo Vogtmann en première position. Laurent Brochard en deuxième position. Udo Bottas est juste derrière. Le sprint est extrêmement disputé. Laurent Brochard qui fait l'effort. Laurent Brochard au centre de la route. Laurent Brochard qui va gagner. Laurent Brochard est champion du monde. Superbe. Superbe. Ah ça, alors ça véritablement, si c'est une victoire qui doit faire plaisir aux millions de gens qui nous regardent, c'est bien celle-là. L'objectif a tendance à écraser un peu les distances. Il est bon, il est bon. Richard Viroc qui ne relâche pas son effort, qui continue, il se retourne. Il sait maintenant qu'il va gagner. Il ne sera plus rejoint. Je pense que Richard va aller jusqu'au bout. Allez, il faut relancer, il le fait. Il se redresse. Il s'est lancé, il y a Yann Kersipoué, voilà c'est gagné. Richard Viroc, vainqueur de Paris-Tour. Superbe vainqueur de Paris-Tour. Eddy Seigneur maintenant place au démarrage. Attention Eddy Seigneur, il est capable aussi de faire un final très fort. Eddy Seigneur face à Andreu. Le vainqueur est sans doute parmi ces deux hommes. Andreu, l'Américain de l'équipe Motorola. Seigneur est parti comme un bolide en poursuiteur. Seigneur va aller chercher, c'est possible. Andreu, Seigneur, la victoire va se jouer entre ces deux hommes. Francky Andreu de l'équipe Motorola qui a 28 ans.
Il est parti, l'Américain, mais Seigneur n'est pas loin. La victoire va se jouer sans doute entre les deux hommes. L'Américain en deux, retour de Seigneur, le Français. Seigneur qui finit très fort. Ce serait extraordinaire pour l'équipe Gann, qui a tout perdu depuis le début. Après son magnifique début. Oui, Seigneur, il ne faut pas tout de suite. Tout de suite, il faut montrer. Et dit Seigneur face à André. Seigneur qui se protège derrière, qui va aller chercher. Attention, talent finisseur de l'Américain. Victoire du Français. Le Français, dit Seigneur. Vainqueur sur les Champs-Élysées. Superbe, fantastique. Victoire du Français. Eddie Seigneur. Présenté sur le papier, un danger. Il se retourne maintenant. 1 minute 15 d'écart. C'est pratiquement gagné. Il ne peut plus y avoir d'incident. Bernard Hinault, champion du monde 1980, le décor pour la France de mettre un grand sourire, il a failli rentrer. Romain un petit peu en difficulté. Romain Bardet revient. Allez Romain. Chercher la Christophe Froome en difficulté. C'est là. But, allez Romain. C'est bon, il est en train de tous les décrocher. Il va aller chercher 10 secondes, il y a un petit écart. Troisième victoire sur le Tour de France pour Romain Bardet. Fini à 60 à l'heure, c'est prodigieux. Mathieu, vainqueur de Paris-Roubaix pour la deuxième fois. Le seul Français à avoir réussi Paris-Exploit depuis 1921, depuis 70 ans. Vainqueur du 89e Paris-Roubaix. Vainqueur de légende devant des milliers de spectateurs qui lui réservent une ovation. Marc Mathieu. Il est bien placé Laurent, on lui reproche souvent de partir trop tôt et qu'il mène très bien sa course pour le moment. Pour l'instant il mène sa course car on ne revient pas de l'arrière, il a raison, Andriev fait l'essentiel du travail. Attention, troisième derrière tout de même, le sprint est lancé, les deux hommes ne seront plus battus. Un des deux mal emporté, attention Andriev, ce me semble très fort. Mais Jalabert est parti en costaud, tout seul en costaud, ça va-t-il suffire? Oui, Jalabert, extraordinaire, Laurent Jalabert, vainqueur de Milan-San Remo, exceptionnel final. Alors dit, allez peut-être avec Debuchereux, troisième position, c'est avec Démarre, Arnaud Démarre, avec Nasser Bouhanni qui a eu un problème, Démarre qui va essayer de remonter, et Démarre ça va être trop juste, ça va être serré, victoire d'Arnaud Démarre, dans un final complètement fou. Bernard Hinault de loin en tête avec le grand braquet. Dégagé qui revient, mais ce sera trop tard. Oui. Ah, Bernard Hinault. Deux Bitinger, 3-16, 4-16. Peut espérer, c'est peut-être trop tard, mais il y a encore de l'espoir, faut y croire. 25 secondes. Allez Christophe, il faut y aller. Deuxième à gap mardi. Il va revenir. Christophe Biblon, il a gagné à Trois Domaines. Il peut gagner à l'Alpe d'Huez. 14 secondes d'écart entre Van Garderen et Christophe Biblon qui éprouve le besoin de respirer un tout petit peu. Regardez, il est là. Regardez l'écart vu d'hélico, ça diminue, ça continue de diminuer. Et ça va lui redonner des forces, Jean-François, ça lui redonne des forces de l'apercevoir dans le virage. Et voilà, regardez la vitesse de jambe de Christophe Riblon. Alors maintenant, allez, il faut l'attaquer. Voilà, maintenant, il a compris, connaît l'expérience, c'est fait. Riblon attaque à droite et s'en va peut-être vers la victoire d'étape. Oui, parce qu'ils sont loin derrière, 3 minutes. La voilà, elle est là, la première victoire française sur le Tour. Soit de Christophe Riblon, bravo champion. Quelle victoire pour Christophe Riblon. Voilà, dernier virage à 200 mètres, il faut quand même regarder où on roule. Et voilà, il pourra savourer. Fantastique moment. Je vous laisse savourer. Chapeau mec. Bravo. Et une pensée sûrement pour Jean-Christophe Perrault qui a dû quitter la route du Tour hier. Bravo à toute l'équipe à G2R La Mondiale. C'est Ouzarski qui sont en train de revenir également. Dominique Ter qui fait l'effort avec Bartosz Ouzarski dans ça où nous sommes à 300 mètres de la ligne. Ouran ne bouge pas. Warren Barguil est calé sur la roue du Colombien. Eh oui, il met la pression au Colombien, mais attention derrière Ouzarski. Bon, certes, il est grimaçant, mais lui aussi une belle pointe de vitesse. Ouzarski en quatrième position. Ouran est obligé d'y aller. Eh, Ouran va être obligé d'y aller. C'est Ouzarski qui part de loin. Est-ce que Warren Barguil l'a vu? Ouran va faire une petite vague. Ouzarski va aller se caler dans la roue de Warren Barguil qui accélère maintenant. Rigoberto Ouran toujours en tête. L'effort de Warren Barguil. Non, il est calé Warren Barguil. Il ne pourra pas passer. Ça va se jouer. Il y va. Il y va. Ouais, il y va. Il y va. Il y va.